Il était une fois une fille de 17 ans qui travaillait à la fac, mais qui était timide, qui dans sa classe, un garçon qui s'appelait Serge, âgé de 18 ans, était tombé sous le charme. Un jour, lorsque Camille travaillait dans son atelier, Serge fut venu pour travailler avec elle, mais elle aurait voulu lui déclarer ses sentiments. Alors, quelques minutes plus tard, elle lui dévoila. Mais lui fut choqué. Il lui disa désolé, mais non. En fait, elle était trop moche. Justin ? Ouais. Ça s'est terminé dans la tristesse, juste en détresse, mais ça avait commencé par de l'amour. Ok, super. Donc là, il y a... Il y a deux phrases pour l'instant. Trois phrases. Donc on en manque une et puis on a un refrain. Et la musique. Du coup, ça va te faire une rime ABAB. Ouais. Tu as... Alors, ils se sont rencontrés au collège. Est-ce que tu veux... essayer de trouver un mot en « ai-je » J'ai fait quoi lorsque quoi ? Qui aille avec la suite de l'histoire, lorsque Serge est arrivé. « Ai-je » Qu'est-ce qu'il y a comme mot qui finisse en « ai-je » Neige. Neige, beige, siège, liège. Essaye avec moi. Au début, il n'y avait que de l'amour. Oh, oh, oh. Mais ça s'est terminé dans la tristesse. Il voulait déclarer ses sentiments, il n'aura jamais son amour. Pourquoi la misère devient glissement, c'est que le début d'un long parcours. Plus fort. Il voulait déclarer ses sentiments, il n'aura jamais son amour. Pourquoi la misère devient glissement, c'est que le début d'un long parcours. Il voulait déclarer ses sentiments, il n'aura jamais son amour. Ok, on va enregistrer ça. Tu vois, je fais la voix témoin pour que quand tu chantes, tu aies dans le casque ma voix et que ça puisse t'aider à chanter. 1, 2, 3, 4. Sophia et Rodrigue, c'est une belle histoire. Tous les deux étaient amoureux. Son amour, elle lui montre plein d'espoir. C'est le début d'une relation entre eux. D'accord, on fait un petit essai. Tu vas entendre le 1, 2, 3, 4 et puis oui. Tu commences. Sophia et Rudy, c'est une belle histoire. Tous les deux étaient amoureux. Son amour, elle lui montre plein d'espoir. C'est le début d'une relation entre eux. Alors toi aussi, il va falloir que tu articules bien, Claudia. D'accord ? T'as tendance à bouffer les mots. Donc pour articuler, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour articuler, il faut suivre les mots avec la bouche. Bien ouvrir la bouche quand il faut et suivre tous les mots. Sophia et Roduc, c'est une belle histoire. Tous les deux étaient amoureux. Son amour, elle lui montre peine d'espoir. C'est le début d'une relation entre eux. Sophia et Rodrigue, c'est une belle histoire. Tous les deux étaient amoureux. Son amour, elle lui montre plein d'espoir. C'est le début d'une relation entre eux. 1, 2, 3, 4. Sophia et Rodrigue, c'est une belle histoire. L'amour et la haine, il était plus âgé qu'elle, il avait tendance à la délaisser, il pouvait même être cruel, au point de la baisser. Oh, bonjour.
qu'il la croise, tout content de la voir. Il est comme en extase, c'est le début d'une histoire. Elle a besoin de temps, besoin de réfléchir. Comme toi, mais très galant, avec un sourire. Il l'invite dans 3 jours au restaurant. Ne fais jamais ça, sinon tu vas voir de quelle voix je me chauffe. Mon nom c'est Issa, le dernier qui a fait ça, il est plus sain et sauf. Ça s'est terminé dans la tristesse. Lorsque Shem s'est arrivé, c'est 5 minutes plus tard.